Oui, c'est un chemin nouveau. It's a new way. Une voie nouvelle que le Seigneur te montre. A new way that God is showing to us. Et il te dit, tu es sur ce chemin, avance. And he's telling you, you're on that road. Go. Ne regarde ni en arrière. Don't look at your back. Ni à gauche ni à droite. Hit on your left and your right. Mais avance, dit le Seigneur. But go forward, said the Lord. Oh, gloire à toi, Jésus. Glory be to you, Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Ça va? Are you okay? Alléluia. Nous allons parler du renouvellement dans l'esprit. We're going to talk about the renewal in your spirit. J'avoue que c'est très difficile en Afrique de vivre la vie dans l'esprit. I say it's very hard to live in spirit. Je vous dis pourquoi. I'll tell you why. Notre peuple est assez émotif. Our people is so emotional. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. It's not a bad thing. Mais c'est le fait de demeurer dans l'émotion qui est une mauvaise chose. To dwell in emotion. Jésus éprouvait des émotions. Jesus felt feelings. Vous voyez, Jésus devant la tombe de Lazare, il a pleuré. In front of the grave of Lazarus, he cried. Mais il a essuyé ses larmes. He swept his tears. Il a regardé vers le ciel. He looked towards the skies. Mais nous, quand nous pleurons vraiment. But we people, when we are crying, we really cry. Nous gardons longtemps les larmes dans les yeux. And we keep long time tears in our eyes. Et donc Jésus a tressailli de joie. Then Jesus shaken joy. C'est-à-dire, donc, Jésus a éprouvé des émotions. He felt emotions. Mais Jésus a toujours levé la main vers son Père. He always lifted up his hand towards his Father. Et donc, normalement, un peuple qui est, normally, people, oui, qui est très émotif doit so devenir emotive, très spirituel après. Should become spiritual later. Et c'est pourquoi dans nos villages, that's why in our villages, ceux qui adorent les génies adorent vraiment avec passion. Those who worship genius, they did it with passion. Et parce que quand l'Africain fait quelque chose, il le fait très très fort. When the African does something, he make it highly. Alors Jésus nous demande, then Jesus asks us, de devenir des hommes spirituels, to become spiritual men, des femmes spirituelles. Spiritual women. Je sais que notre environnement est difficile. I know that our environment is very hard. Et quand je voyage, and when I'm traveling, je conseille toujours aux Africains, I always advise to Africans, ne soyez pas toujours ensemble entre vous. Don't be together. Always. Parce que quand vous êtes ensemble entre vous, because when you're together, ce sont les mêmes problèmes africains que vous transportez là. Tu m'as regardé comme ça, pourquoi tu... That you carry, même dans les groupes de prière, des noirs, là, c'est toujours des choses comme still ça. The same thing. J'ai dit, frottez-vous au blanc. See, get close to white me. Il y a une autre mentalité. There is another mentality. C'est la mentalité du développement. This is developing mentality. Ah oui, hein, ça... Yeah. That's it. On demandait à la fille de ma fille, elle dit déjà elle pense blanc. Ask her, the daughter of my daughter. C'est comme partager les like enfants noirs qui sont qui naissent là-bas sur la peau. What we share over there is the même skin. Ceux qui sont allés très jeunes. Even those who went very young. C'est-à-dire le dénominateur commun nous c'est la peau. The same c'est la thing couleur. That we have is just the color of the skin. Et je vous dis la vérité, frère, ça, c'est très difficile en Afrique de vivre dans l'esprit. It's very difficult in Africa to live in spirit. Parce qu'on s'occupe de tout. Because we care about all. Ah, regarde sa chaussure là. Look at her shoe. Ah, regarde cette femme là comment elle marche. Look at that woman, the way she walks. Look at this. Bon, no, notre esprit est our trop distrait. Spirit is so distract. Et le diable aime ça. And the devil enjoy it. Il y a une grande vérité dans la parole de There's Dieu. There's a great truth in the word of God. En Matthieu 16. In Matthew 16. Un jour, one day, Pierre était pris d'émotion. Peter was full of emotion. Parce que Jésus donnait un discours assez fort. Because Jesus was giving il a speech very high. Il parlait de sa mort, talking etc. Talking about his death. Pierre appelle Peter Jésus de côté. Called Jesus aside. Il dit, mais pourquoi tu parles des choses so comme why ça? Why do you talk about those kind of things? Nous tous t'en suivis et puis tu parles des choses comme we ça. We follow you when you talk about it. Jésus a regardé Pierre. Jesus look at Peter. Il dit, arrière he Satan. Said, go back away from me, Satan. Mais imaginez ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre ce jour-là. Imagine what's happened in the heart il of dit, Peter that day. He said, how? Il dit, arrière Satan. He said, go back away from me, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Your thoughts are not God's thoughts. Mais celles des hommes. But men's thoughts. Hein?
Les pensées de Satan, thought of Satan sont les pensées des hommes. Thought of men. Alors comment vivre la vie dans l'esprit? Then, how to live the life in spirit? Avec mes propres pensées, c'est impossible. With my whole thought, it's impossible. C'est pas possible. It's not possible. Alors il faut un renouvellement total de notre intelligence. Then we need a renewal of our intelligence. Et c'est ce que Pierre n'a pas compris. It's what Peter didn't understand. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit. You may have the Holy Spirit. Sans avoir le renouvellement d'intelligence. Without have the renewal of your intelligence. Parce que le Saint-Esprit prend possession, the Holy Spirit takes possession de chaque quartier de notre vie. Of each area of our life. J'ai vu des gens avoir Jésus-Christ, mais qui vivaient encore dans l'impureté. But they were still living in impurity. Mais je me suis rendu compte que le Saint-Esprit, the Holy Spirit, ils n'ont pas permis au Saint-Esprit de prendre possession de la zone sentimentale de leur vie. To take possession of the feeling of their life. Et le Saint-Esprit de Dieu, and the Holy Spirit of God, il ne va jamais violer notre liberté. We never rape our freedom. Il y a des chrétiens qui disent, mais je suis chrétien, puis Dieu ne m'a pas encore transformé. C'est pas... La Bible dit ceci. The Bible says that. Que heureux celui qui veut vivre comme Dieu le veut. Happy the one want to live the way God wants. Dieu God leur accordera. C'est-à-dire heureux ceux qui veulent vivre comme Happy Dieu le veut. Those Dieu who leur live accordera. According God want, God shall give it to them. Il faut vouloir. You must need, want Et le pouvoir it. Vient de Dieu. And the will come from God. Il y en a qui disent non mais je suis comme ça. Ah. Some say I'm like this. Prends-moi comme ça. Take me as I am. Tu ne peux pas vivre une vie dans l'esprit. You cannot live a life in spirit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les chrétiens charnels. This is what we call fleshy Christians. Les chrétiens charnels ne peuvent pas connaître la pensée de Dieu. They cannot know the thoughts of God. Et Paul va le dire aux Corinthiens. And Paul will say to Corinthian people. Il va dire que nous connaissons la pensée de Dieu. You see, we people we know the thoughts of God. C'est-à-dire parce qu'il y a l'esprit. D'intelligence because we have the spirit of intelligence et à l'intelligence de l'esprit and we have the intelligence of the spirit pour être prophète to be prophet il faut pénétrer dans l'intelligence de l'esprit you must penetrate in the intelligence of c'est the pas spirit. Simplement l'esprit It's d'intelligence comme don de sanctification non as gift of sanctification no c'est-à-dire il faut pouvoir sonder les pensées and de Dieu you must know the deepness of the thought of God. Avoir le discernement. Having discernment. Et c'est ce que Paul va nous dire. It's what Paul will tell us. Il va nous donner les étapes pour ce changement, ce He renouvellement d'intelligence. The steps of that renewal of the spirit. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romans chapter 12, verse 1. C'est un beau test. This is a nice test. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc. Par la miséricorde de Dieu. Salut, je vous en supplie, frère. I'm begging you, brothers. À vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ok, la première des choses qu'il faut faire, First thing you must do, c'est de s'offrir. Is to give yourself as a reasonable Ça veut dire, sacrifice. C'est de se sacrifier. Sacrifice yourself. Totalement sacrifier. Sacrifice you. Et qu'est-ce que le sacrifice? What means sacrifice? Vous voyez, en Afrique, quand on parle de sacrifice, in Africa, when we talk about sacrifice, et chez nous, en Abé, on parle d'éteint. Abé tribe, we talk about éteint. En fin de compte, c'est quelque chose qu'on donne. It's something that we give. Mais ce n'est pas la même chose dans le sens It's du not juif. The same thing in the Jew. Quand Paul parle de sacrifice, when Paul talk about c'est l'holocauste. It's holocaust. C'est-à-dire l'animal doit brûler. It means we must burn the beast. Totalement et on extrait que quoi? We must burn.